look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Come on and start blowing the cage. Du coup, bonjour, bonsoir à la diffusion. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de The Last of Us 2, partie 2, ce que vous voulez. Et on se retrouve avec deux personnages qu'on ne connaît pas. Donc, on connaît peut-être, mais qui ont beaucoup changé. Quand il fera jour, avec quelques degrés de plus. Non, ça peut pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins. Tu dois voir ça par toi-même. J'arrive. Très bien fait, en tout cas. Il y a bien les traces de pas. Les traces de ventre aussi, de main. Très très bien fait. Pour l'instant, rien à redire. Hop, ça je viens juste de le voir dans le tuto. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner? Super, le plantage coco réapparaît. Chais. J'arrive pas à dormir. Toi non plus? J'arrive. Et on va vers le sud. Plus c'est joli. Et si on continuait? On pourrait filer jusqu'au Mexique. J'y ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manny. Ouais. Quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Bah. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Pas très utile pour le coup. Je pensais que j'allais trouver un secret et tout. Je passe. Tu sens les conduits d'aération, ce genre de choses qui vont nous. T'as fait tout ce nous mettre mal. Oui. Allez, viens. On est bien. On est bien, 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 bien. J'ai remis le son, hein. J'ai tout remis. Oui, j'ai tout remis. Oula, attends. Regarde, t'es passé par là. Non mais c'est quoi ces chemins de merde? Il est où, lui? Non mais ils font des doubles chemins, mais y'a rien. Si on continue comme ça, on sera crevé avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Ouais, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Et hop là. Tu vas rompre avec. Ah, on peut sauter quand on veut. Quoi? C'est vrai. T'inquiète, j'ai eu ma dose. Je crois que je vais faire bugger le jeu à faire ça. Tu peux me donner l'an en courant. Si t'en es capable, alors moi aussi. Tu veux te péter la gueule, ouais? Wow. Et ouais, merde. On n'est pas tous aussi gracieux que toi. Quoi ça? Ça va pas le faire. Ça va aller. Oh, c'est trop haut. Vas-y. Mais n'importe quoi, mais il va te pousser. Oh, hey, regarde-moi. Abby. Abby. Ne regarde pas en bas. Owen. Ok, Abby et Owen. Par là, au retour. Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les carrer. Ouais, mais... Oh, Abby, arrête de me draguer. C'est trop bien. Regardez quand on se met là. Il y a un effet de... Genre... Comme si on avait le vertige. Bon, c'est le cas, du coup, mais... Et quand c'est là, regarde... Oh, c'est trop bien fait. Voilà, petit détail, encore une fois. Attends, si je vais en étant allongé. Ok, Gabi et Owen... J'ai déjà oublié, c'est fou, hein, j'oublie les noms très vite. Oh, j'ai oublié, je voulais dire un truc. J'ai oublié, tant pis. Tampi. Excusez-moi. Oh! Mais c'est là où on vit? On y est? On est arrivé. Owen, ok. Putain. C'est carrément une ville. Et ouais, mec. T'en as parlé à quelqu'un? Je voulais que tu sois la première. J'ai vu des gardes armés patrouiller entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok.
En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, il faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée ? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen ? Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai? Oh, j'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hey. Arrête. J'ai peur de comprendre. On se voit à ton retour. Alors, je sais pas quel est leur but. Mais je pense, je sais pas trop ce qu'ils veulent, mais à mon avis, ils veulent pas faire les des choses politiquement correctes. Je pense qu'ils vont s'en prendre à la ville pour je sais pas quoi, pour je sais pas qui, surtout. Ok, bon. Je sens qu'elle va se faire arrêter instant. Vous le sentez venir, ce truc? Je peux m'en occuper toute seule. Ouais, ouais, bon, clairement, elle va se faire bully, hein. Mais vu la taille de la ville, à mon avis, ils recrutent, entre guillemets. Genre, ils récupèrent les... Ce jeu, c'est pire qu'un... Ce brésilien, que les feux de l'amour. C'est vrai. Et... Ouais, je pense qu'ils... C'est pas, ils recrutent, ils... Ah, bah j'ai raté. Comment on dit? C'est quoi le terme? Mais merci, je sais. C'est quoi le mot que je cherche? Bah, ils adoptent, non? Ils ramènent les gens et ils font une grosse base, quoi. Ne pars pas, Brenda. Ah, s'allonger. Du coup, là, clairement, je pense que elle a pas trop de bonnes intentions, et par contre le mec, bah, il veut mettre son gosse à l'abri, quoi. Clairement. On a plus de champagne. Oula, 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 tombe pas. Putain, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Il a mis Mel en cloque. Oula. Ouais, j'ai entendu du bruit. Ah! Oh la quétale! T'es vivant? Ah, je lui mettrais bien une balle quand même. Hein. Vous sentez? Ah! Vous sentez la douille là? Ils vont tous se lever d'un coup? Parce que j'ai hésité à leur mettre une balle dans la tête. Oula, il y en a un qui va me choper la jambe. Vous êtes prêts? On n'a pas peur, on sait ce qui va arriver. On n'a pas peur. On sait ce qui va arriver, on n'a pas peur. On n'a pas peur, j'ai dit. Regardez. Hey, coucou! Non, pas long. Ah, coucou. Ah non, faut rester à pied. Dégage. On n'a pas peur. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y ait la neige qui fait qu'ils sont bloqués comme ça? Oh non, les zombies, non, je sais plus. Non, non, il y avait des zombies là, non, non. Ils sont vraiment morts. Allez, voilà, je l'avais dit, on n'a pas peur. Non,
Oh, on peut esquiver, ok. Hop. Ok, on est sur quelque chose d'un peu plus crade que le 1. Ça rigole zéro. Bon, on a perdu un peu de vie. Alors, je sais pas si... Ah. Oh là. Saleté. 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 J'arrive pas. Mais c'est trop dur. J'ai un peu de mal. Ok. Je sais pas si c'est vraiment important d'économiser maintenant. En tout cas, économiser, j'ai déjà plus de vie. Hein. C'est... L'esquive, j'ai un peu de mal, hein, déjà. Mais je crois que ça va être l'osbeu. J'aimerais bien économiser mes balles, en vrai, quand même. Ok, la visée est approximative, hein, la mytho. Là, je suis pas sûr que j'étais dessus, hein. Sur la tête. Ah. Ah, bien ça. Bon, je pense pas que j'aurais dû utiliser mes balles quand même. Je pense que j'aurais pu les fight au point. Je trouve un point de vue. Ah non, les poubelles. Ouh, ouh. Non. Ok. Bon, pour l'instant ça va. Je suis pas trop stressé. Peut-être parce qu'on est avec un personnage que je m'en fous un peu, mais... Ah, des mines. Pour l'instant, c'est ok. Bon, on n'est pas encore rentré dans une zone flippante. Comment je vais pour sortir d'ici ? C'est vrai que utiliser les balles est plus important que survivre. Ouais, de ouf. Ah ouais, totalement. Hein. C'est clair que dans The Last of Us 1, quand j'ai fait en mode réaliste, j'ai communisé comme un porc, finalement... à la fin, je me suis retrouvé avec trop de balles. Genre, je pouvais utiliser toutes mes balles, ça serait passé. Donc, ouais. Très mauvaise idée, Abby. Oui. Oh, merde. Pas le temps. T'as des munes ? T'as pas de munes. Ok. Bon allez, pour l'instant ça va, c'est tranquille. Il est où ce poste gay ? Pour l'instant ça va, on verra plus tard, mais pour l'instant c'est ok. Hop. Des petites munitions. Est-ce qu'il faut que je descende ou est-ce qu'il faut que je rentre ? Je pense que là où je suis c'est pas... c'est secondaire. Je pense. Combat dans Resident Evil 4, je connais le jeu par que par... Je connais le jeu quasi par cœur. Je l'ai fait via deux fois et je finis toujours avec ces 15 grandes 150 balles de pompe. De quoi acheter 5 lance-roquettes. La précaution. Non mais c'est ça. Hein. Et pareil dans le 1, moi j'avais fini, j'avais pas utilisé une seule balle de lance-flamme quand même. Alors que j'ai eu des occasions. Hein. Ah, 15 grenades. Ok. Bon, on a récupéré des petites mules, je dis pas non. Je sens qu'elle va pas durer longtemps. Je pense que c'est juste pour bien te mettre dans le bain, les infecter, tout ça, tout ça. Ok. Il peut pas être loin. Après, par rapport au 1, tu te sens quand même un peu plus à l'aise. Bon, je sais pas si c'est le fait d'avoir fait le 1, mais au début du 1, il y a des infectés, t'étais obligé de courir, tu pouvais rien faire. Là, t'as direct une arme. C'est plutôt bien. Hein. Tout est plutôt bien. Ah, le mode d'écoute. El Famos. Ok. Pour l'instant, c'est ok. Ah mais c'est bien, le mode écoute il est pas cheaté. On voit le zombie, mais on voit pas
Enfin, on voit la personne, mais on sait pas si c'est un zombie, si c'est un humain, si c'est un claqueur, si c'est un colo. Bon, colo, je pense, on va le voir. Mais c'est pas comme dans le 1 où tu voyais bien la forme, tout ça, tout ça. Adieu. Et là, une vieille gueule. Petite balle pour le fun. Le mec a rien compris. Les chiottes. Il y a toujours quelque chose dans les chiottes. Des médicaments. Ok, je me tais. Je pense qu'il faut descendre. Ah, le mode écoute, comment ça va changer la vie. Oh. Putain, je me souviens quand j'ai lancé le 1 réaliste. Il n'y a pas le mode écoute. Il n'y a pas le mode écoute, mais comment je fais le jeu sans le mode écoute? Ouh, j'ai fait du bruit. Tu vois, on est bien en balle, pas besoin de plus. Oh là, ah oui, il y a quelqu'un. Ah, il y en a deux. Qu'est-ce que ça envoyait? C'est pour ceux qui n'ont pas vu Best of. Je commence déjà à pas être à l'aise, hein. Ça c'est le. Le petit bruit de craquement, ça me tue. J'ai bien fait de me cacher. Ok, rien de spécial. Je suis déjà pas là. Le son est bon. C'est pas trop fort tout ça. Ma fille, il est si bon que ça pour qu'il y ait un best-of. Ça va. Je me suis démerdé. Il avance un peu plus que ce que je croyais. Oh, je pouvais saisir. Oh, dommage. Si bon, je sais pas, drôle, oui, Taras. Ça vous apprendra. Oh, d'huile. Ok, bon, pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. Oh. J'ai trop de mun, mais tu vois, j'aurais dû tirer. Putain, je sais pas où je suis. Je peux pas t'aider. Hein. C'est quoi la touche? Ah non, mais si je passe par là-dessus, je pourrais pas revenir. Bon bah, j'ai perdu des mun, c'est cool. Merde. Ok, on a pas une portée de ouf, par contre. Ah! Ah! Oh non, la musique stressante, c'est bon. T'inquiète pas, ça va bien se passer. La musique stressante, c'est le pire! Ah non, je croyais qu'on pouvait ouvrir ce truc. Après, on n'est pas obligé de les tuer. Comme ça, il lâche la manette quand il a peur. Je ne lâche pas la manette quand j'ai peur, quoique. Mon casque tombe des fois quand j'ai peur. Et par contre, ce qui est bien fait aussi,
C'est que quand je suis en mode écoute, j'entends les zombies plus loin et j'ai l'impression qu'ils sont plus proches. Et du coup, ça me fait peur. Je suis totalement cramé ici, en fait. Balance son casque. Et bah voilà, tranquillou, on sait même pas faire pérer. Ah ça c'est The Last of Us 1 qui est dans les pattes là, hein. Tu le sens quand même. Tu le sens. Faites qu'il n'y en ait pas d'autres. T'as pas l'air. Où est la route? Ouais, on se détend. C'est tranquille. On va se faire sauter dessus. Surprise! Ah non. Des traces de chevaux. Où est la patrouille? Okay. Dis-toi une chose, la calme n'est pas en ultra HD. Bon bah voilà, tranquillou. On s'est fait un peu pourrave la tronche au début, mais... Avec toute la vie qu'on a, c'était tranquille. Allez, viens. Par ici. Je te suis. Et je pensais que c'était une cinématique, mais pas du tout. Ok. Est-ce qu'il te manque, Jesse? Non. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Écoute, Jesse est génial. J'adore ses parents. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Mm-hmm. Comment ça se fait qu'on en ait jamais parlé avant? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de Kat. Ouais, parce que il y a pas grand chose à dire. Aïe. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout te dire, je m'en fiche totalement. Ok. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Tu t'es fait un tatouage, Ellie? Sans me le dire. Je pense qu'elle était pas faite pour toi. Intéressant. Et toi? Ok. Bon, je pense que la madame va tomber sur nous. Hein. Clairement. Tu peux attacher Payette ici. Putain, Payette. Coquine. Hey. Tu veux voir un truc hallucinant? Tu vas te montrer du doigt, c'est ça? Non, hallucinant, c'est pas le mot. D'accord. Allez, la débile. Eh oh, tu me parles mieux, hein. Déjà que tu m'as embrassé sans me donner, sans mon accord. J'ai le mode écoute. J'ai le mode écoute. Okay. Et boum, une balle de fusil. Ah, je peux pas le sectionner. Ok. Je crois pas, ou alors c'est pas la même touche. C'est quoi la touche? Non, je ne peux pas le sectionner pour le moment. On paraît combien qu'on va se barrer avec les chevaux ici, en passant par là? On paraît combien? Oh là! Ouais, c'est joli. Et alors? M'en fous. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein? C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool cette route.
Voilà, oh, il a le registre. Elle a les yeux revolver. Merde. Elle a le regard qui tue. Bon. C'est bien beau tout ça, mais avance. Tu faisais cette patrouille avec qui avant? Jessie? Eugène. Oh, ouais. Jessie. Eugène. James. Il était trop drôle. Oh ouais. En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on que tu m'apprennes, moi. Tu veux pas m'apprendre? Attends, on peut monter là? Non? Pas du tout. Bon. Ah non, ah bah non, bah. Mon truc est peut-être pas, peut-être faux, on va pas aller là-bas. Grosse déception. Il y a un mur invisible, je suis Keblo. Par ici. Je te suis, je te suis. Mmh. Voilà, ça monte en rappel et tout. Oh là là. Oh là 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 là. Putain, ça a changé, hein. Pas trop open world le jeu. Je pense pas qu'il sera open world. Clairement, je le dis. Là, il l'était pas. C'était quoi cet endroit? C'était une tour radio avant. Je pense pas que, qu'il sera open world, hein, clairement pas. Après, peut-être pas, hein, peut-être qu'il le sera, j'en sais rien. Hein. Mais je suis pas trop fan des jeux d'horreur comme ça où c'est open world. D'infectés, ou de personne d'autre d'ailleurs. Genre par exemple The Evil Within 2. À quelques kilomètres. C'était cool, hein, le jeu était très cool, mais. En fait, le fait que ça soit open world, quand tu reviens dans la zone de base, t'es vachement plus à l'aise. Alors que quand tu continues à avancer dans des nouvelles zones, t'es toujours dans l'inconnu. Et je préfère, pour les jeux d'horreur, en tout cas, je préfère ça. Voilà, voilà. Et du coup, bah, The Evil Within 2, bah, je l'ai moins aimé que le 1, par exemple. Par contre, j'ai préféré le 2 dans son ambiance parce que j'étais moins stressé. Mais justement, quand je regarde un jeu d'horreur, c'est pour stresser et tout, ce genre de choses. Donc le 1 était plus dans l'ambiance malsain que le 2, je trouve. Même si le 2 est bien trash aussi. Dina Eugène, on a trouvé un cheval coincé dans la glace, sauvé, on le ramène au camp, blablabla. Lucie, un claqueur dans le sous-sol. Chèvre morte près de la maison de retraite Sunny Day. 3 coureurs à l'intérieur éliminés. Un coureur sur la route principale éliminé. Pas mal de neige, on va rester ici pour la nuit. Oui, c'est moins creepy quand tu es en open world. Ouais, voilà ça. Bonjour, bonjour, Sia. Dina Eugène, 3 coureurs éliminés. Cerf mort trouvé juste devant la tour. Trace de morsure, mais pas d'infecté dans les parages. Forte tempête, la rivière déborde. On reste ici cette nuit. Jessie, Dina, trouvé les empreintes. On les a suivies jusqu'à un petit campement. 2 adultes et un enfant qui ont besoin de soins. On les emmène directement en ville. Ouais, donc ouais, ils recrutent bien les gens. Enfin, ils recrutent pas, mais ils... Putain, je trouve pas mon mot. Ils viennent en aide et ils les ramènent au camp, tout ça quoi. Tony Joël, 2 claqueurs prêts à la station service éliminés, sinon RS. Ok, ok. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Ah juste, ok. RS. Viens voir. Attends. 2 secondes, il y avait une porte ici que j'ai pas ouvert parce que je pensais que ça allait être la suite. Et là... Oh, ça sort la sauvegarde ici. C'est un peu le coin safe. Voilà, ça on veut. Ça on veut. Rien à voir, vous avez vu le... Parce que c'était boulon. Vous avez vu le trailer du nouveau Ratchet & Clank? J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bon, il n'y a pas eu grand chose, mais c'est quand même important. Alors, qu'est-ce qu'il y a, ma grande?
La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Une horloge. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. Viens, on retourne aux chevaux. Ah, et cette fois, on va passer... Ah, j'aime bien. J'aime bien. Je sens que... Alors, règle numéro 1 dans les jeux d'horreur. Quand tu reviens en arrière et que le jeu t'incite à revenir en arrière, c'est qu'il va se passer une couille. Tu portais pas déjà les mêmes fringues hier ? Elles sont propres. Bon, alors, reviens pas trop en arrière, mais il va bien se passer un petit truc, non ? Oh, on est déçus. On est déçus. Il aurait pu manquer un cheval, au moins. Paillette. Rien, vraiment. Oh là là. Très déçu. Oh là là. Hey, je prédis tout. Je prédis tout. Je le savais. C'était sûr. Avant, pour revenir, je sais pas comment on va faire. Bon là, je pense qu'on va croiser madame. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC ? Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Toi ? Jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, hey, je porte des bottes là. Tu sais comment tu vas mourir ? Bon, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer ? Non. Peut-être. Ta gueule. Eh oh. Parle mieux, hein. J'aime pas quand ça se disperse comme ça. Est-ce qu'on peut descendre de le cheval? Non, on peut pas. Bon, ça sert pas à grand chose de fouiller, du coup, je suppose. Il y a ces poses qu'on ne peut rien ramasser si on est sur le dos du cheval. Je sais pas pourquoi ils mettent des chemins différents comme ça. Ça a pas trop d'intérêt, pour le coup. J'arrive, j'arrive. Hé, hey, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons ? Ça a l'air mort. C'est leur bancal, hein. Si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Ah ! Désolé, genre, on va tout fouiller. Là, c'est le moment de se faire un minimum de stuff. On va pas cracher dessus. Oh, à ta gueule, le jeu passe en PEGI 16. Qu'est-ce que tu sais sur cet endroit ? PEGI 18. C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. Ouais. On échappe sur le périmètre extérieur. Regarde, je fais ça. Hop, un infecté. On peut quête ce soir ? Je pensais faire une soirée film avec Joël. Bon, vous remarquerez que... Zouel. Et ça va, vous deux ? Ouais. Au début, je pensais qu'on allait être séparés de Joël. Il aime quoi, Joël ? Curtis et Viper 2. Ça fait un moment que je veux le regarder, celui-là. Ah, ok. On se regardait souvent des films d'action des années 80. Je peux parler. Il est complètement fan. Oh non. J'ai faim. C'est plutôt pas mal, en fait. Et toi, alors ? Tu fais quoi après ça ? Avec les autres, on parlait de faire le mur. Pour faire de la luge. Ça a l'air marrant. Ouais. Moi, je parie que personne ne meurt. Tu veux qu'on se retrouve après ? Coquine. Ok. Coquine. Peut-être que je jouerai quelque chose. Ok. Moi, je pense pas qu'il va y avoir... Parle de quoi, Curtis et Viper 2 ? Bon, deux secondes. Je pense pas que vous mourrez, hein, clairement. Pas tout de suite, en tout cas. Enfin, Ellie ne mourra pas, ça c'est sûr. L'autre nana, elle va pas mourir tout de suite. Avant la tour. Mais on est pas loin de la tour, là, je crois. Juste, on a eu des trucs, là. J'aime bien c'est lire. C'est deux anciens commandos qui abandonnent tout pour combattre des méchants. Et je crois que dans celui-là, ils affrontent des espions russes. Ah, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Ok, donc le jeune Viper a suivi un entraînement de ninja. Et il déchire vraiment tout. Mais
Il a quel âge dans le premier film ? 10 ans. Attends, il y a eu combien de films alors ? 4, je crois. Bordel ! Joël a même vu le dernier au cinéma. C'est complètement fou. Ça glisse un peu. Tu crois que quelque part, il y a encore des gens qui font des films ? Sûrement. Je pense pas. Qu'est-ce que t'en sais ? Si ça se trouve, ils sont tous comme nous. Ils survivent jour après jour. Bah, je continue d'écrire de la musique, donc si quelqu'un a une caméra... Ah oui, ouais, peut-être. Mais de là, réaliser un film... Ah oui, merde. Pas comme ça pour entrer. Du coup, je voulais dire des trucs, j'ai totalement oublié. Et on va lire le machin. Quoi ? Il y a des chansons originales d'Eli ? Non mais... Laisse-moi parler ! Ou lire ! J'en sais rien. Tu m'en joueras une ce soir ? Allez, quoi ? Je vais y réfléchir. Pousse-toi ! Pousse-toi ! Elle est cool, cette caravane. Une vraie petite maison portable. Ok. Tu crois que les gens voyageaient vraiment là-dedans ? Tu le ferais pas, toi ? Si j'avais vécu avant l'épidémie, carrément. J'aurais fait le tour du pays. Ou même partir à l'étranger. Un jour, peut-être. Ah, c'est beau de rêver. Allez, chut, taisez-vous. Jesse parlait beaucoup du Canada. Il voulait voir des espèces de chutes d'eau géantes. Ah ouais ? Je croyais qu'il était amoureux de Jackson. À chacun ses rêves. Alors, cher Père Noël, j'ai été sage cette année. Tu veux bien m'apporter un gros chien, s'il te plaît ? J'en ai besoin pour protéger mon papa quand il fait... Laisse-moi finir de lire. Fermez-la ! J'en ai besoin pour protéger mon papa quand il fait... quand il part chercher à manger. Il pourra aussi nous aider à défendre la maison contre les monstres. Et puis, il me tiendra compagnie quand mon papa s'enferme tout seul dans sa chambre. Ok. Retourner. Lire. J'aimerais bien qu'il ressemble à ça. Tu pourrais aussi m'apporter un pistolet. Si j'ai plus fort, je crois que ça ferait plaisir à mon papa. Merci beaucoup. Beaucoup, Eric. Ok. Grosse ambiance. Allez, on continue. Et je voulais dire un truc, j'ai oublié. Et Ellie avait fait un petit coup de moonwalk. Un peu comme Joël, une fois, dans le best-of, on le voit d'ailleurs. Quand il décide de pas monter sur un truc. Mais ça l'a totalement tué, hein, quand même. Oh, attends. Oh, oui. Oh, le petit secret. Je me trompe de touche. Ça, c'est un peu les zones un petit peu cachées, tu vois. Et il y a clairement un truc cool dedans. Je pense. One affecté. Ah, bah voilà, une carte ! Tesseract. C'est pas celle-là. C'est pas une des cartes de super-héros que tu collectionnes ? Ah, ouais. D'ailleurs, d'où ou de quand provient ce mystérieux être transdimensionnel surgi de nulle part. Sa capacité à se déplacer à travers un espace à quatre dimensions lui a permis de renverser le cours de bien des batailles. Cependant, ce pouvoir l'affaiblit et le laisse aussi vulnérable qu'un nouveau-né. Le surnom de Tesseract, c'est très bien, lui a été donné par la Society of Champions. Qui ignore son nom. Certains pensent que le Tesseract garde volontairement sa véritable identité secrète. Neutre. 80 d'intelligence, 60 de force, identité inconnue. J'aime bien la literie. C'est bien la literie. Ah voilà. Par contre, t'en as pas marre de te foutre devant moi dès que je veux récupérer un truc. Casse-toi ! Bon, clairement, les... Ah, attends, c'est ça. Ah, c'est ça que je voulais faire. Charge. Je suis à fond. Ok, j'ai pas pris de dégâts. J'ai eu peur. Clairement, les collectables et tout, je m'en fous un petit peu. Hein. Je vous le dis. Ce que je veux surtout, c'est le stuf. C'est ce qui m'intéresse clairement le plus. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Peut-être là-bas, il reste peut-être... On a combien de temps ? Bientôt 40 minutes, bah on va pas tarder à se laisser. Bon, ça m'a l'air d'être good. Attends, là. Est-ce que je peux pas lever ce truc ? Pas du tout.
Les compagnons dans les RPG. De quoi ? Ah, bloquer les portes. Ou les coffres, oui, c'est vrai. Totalement. Je pense à un exemple tout con. J'ai jamais joué à Skyrim, mais dans Skyrim, apparemment, quand t'avais quelqu'un avec toi, il te faisait chier tout le temps à se foutre devant les portes et t'empêcher de passer et tout. C'est tout bête. Hein. C'est... Oula. C'est parti. Ça va se fighter sale là. Infectés qui ont fait ça. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan? Pas qu'un seul. Ils sont où, putain? Allons les trouver. C'est très crâne, hein. Bon, y a pas trop de différence. Bon. Là, je vais commencer à stresser, je le sens. Après, d'un côté, j'espère qu'il va y avoir une évolution des infectés. T'en peux faire quand tu veux. Comment on fait pour rentrer? Et surtout, comment on fait pour rentrer? Ah, ça vous suivez les traces de sang, c'est réglé. Je vois plein de traces différentes. J'espère que il y aura une évolution, genre une nouvelle sorte ou un truc comme ça, ça pourrait être cool. Mais je me dis, je suis pas très chaud de me fight contre des trucs améliorés. Dina, par ici. Il y a pas un ce que ça va être un plus plus. On est obligé de les buter. Moi, je suis chaud pour juste fuir. C'est bien de fuir. C'est efficace. Ah, on a trouvé la patte. On a trouvé une patte. Ouais, un seul. On va essayer de faire le tour pour rentrer par l'arrière du supermarché. Oh non, il y a plein de chemins, j'aime pas. Ah, c'est verrouillé. Les portes fermées peuvent généralement s'ouvrir de l'autre côté. Ah. Intéressant. Mais jamais tu fais ça! Bah oui! Le tuto! Oh! On va pouvoir one shot! C'est bon. Ouais. Joli lancé, au fait. Merci. Oh, oh, c'est bon, ça. La porte par où on est entré était bloquée. Comment il a fait pour rentrer le coureur? Ouais, c'est une bonne question, ça. Ouais, j'avoue. C'est quoi ton record d'infecté tué pendant une patrouille? On en est là. Ça doit être celle que j'ai faite avec Joël, il y a environ un an. Il y en avait peut-être une douzaine. Et toi? J'en ai buté à peu près 20 une fois. Il y avait un groupe de passage. Putain. Grosse ambiance. Hein. Peut-être qu'on va battre ton record aujourd'hui. Non. Moi, ça me va de pas battre les records. Ah, mais... Comment je... Il faut trouver le mystère. Comment il a fait pour rentrer. Je peux pas se passer par la fenêtre, là. Ah là. Ah bah tout bête. Par contre, j'ai peut-être raté quelque chose. Ok. Vas-y, occupe-toi de l'autre là. Vas-y. Ok, c'est bon. J'ai peur. Ok, il y en avait un autre là.
On va les tuer, on fuira après. Hein. Je suis pas à l'aise du tout, ça me plaît pas. Oh, une bouteille. J'ai plein. Je peux en avoir plusieurs ou pas? Non, je peux en avoir qu'une. M'en fous. Ah, c'est bon, je vois. Bon, pour l'instant, ils sont un peu pourris. Hein. On se fight pas trop. J'arrive à les gérer sans. Il y en a un autre derrière. J'aurais peut-être dû mettre le genre difficile en vrai. Oh, mauvais bail ce que je fais là. J'aurais peut-être dû mettre le genre difficile parce que là pour le coup c'est vraiment pas compliqué. Bon, on est au début hein, bien sûr, mais... Pour l'instant, si on est sur un niveau... niveau relativement simple. Hein. Il y en a pas d'autres? Non, c'est bon. Non. Je crois que c'est bon. Tiens, mais en tout cas... De ceux dans le supermarché. On va faire le tour. On économise. Il doit bien y avoir Donza, il est en mode, putain, je me suis fait OS. Mais non. Franchement, pour l'instant, c'est tranquille. Mais après, forcément, comme j'ai fait un The Last of Us, c'est que... Enfin, le 1 en réaliste, il y a beaucoup de codes qui... Enfin, là, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau, pour le coup. Pour l'instant, il y a un nouveau, donc forcément, ça me paraît simple, mais bon. Je pense que ça va être plus dur après, forcément. Ellie, fais-moi monter, je vais jeter un coup d'œil. Mais t'es où? J'arrive. Ça? Ah, ok. Faire en mode réaliste, ça va être drôle. Un petit peu, oh. J'ai des périodes où je rage beaucoup, okay, des périodes où je rage moins, je m'en fous. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Ouais, si tu le dis. Là. Bon, on va s'arrêter. On va s'arrêter là pour cet épisode, on arrive à 50 minutes. Merci. Là, tu vois? Bon, on n'a plus qu'à trouver comment y aller. Chut. En vrai, tant que j'ai pas tilt, ça va. Une fois que j'ai tilt, c'est fini. Ok. Bon allez, bon, ça va être la pensée épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain, du coup normalement pour la suite. Si je fais bien 2 épisodes par jour, on verra. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.